Montre-moi une olive à la Saint-Jean, je t'en montrerai mille à la Toussaint. Ça veut dire que la récolte va être bonne, c'est ça? Oui, mille olives, tous au moulin! Avec l'accent en plus, ça c'est en bonus. Donc c'est ça, j'ai juste. Bah ouais, c'est, pour une fois c'est compréhensible, c'est rudement bien. C'est bien fait cette émission. Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler du beau, des femmes, des fleurs, des femmes qui créent avec des fleurs, bref, de l'harmonie et de l'esthétisme. Sommaire. Miyoko est nourrie des cultures occidentales et japonaises, présente dans ses scénographies et ses compositions de fleurs fraîches ou séchées. Les kerter, petites constructions à faire soi-même, mêlant le chanvre et la chaux, sont sujets à des stages collaboratifs et l'apprentissage de gestes limitant notre empreinte sur l'environnement. Dans les Vosges, à 1228 mètres d'altitude, le jardin du Haut-Châtelet présente un véritable tour du monde botanique des plus beaux massifs montagneux. Mais sans attendre, retrouvons Stéphane. Il s'impatiente, dodeline de la tête, marque le tempo, s'invente une musique qu'il n'entend pas, trépigne et finit par traverser le passage piéton pour se rendre dans un immeuble tout nouveau, tout beau, où l'attendent Laura et Axel dans leur drôle de jardin. Bonjour Laura. Bonjour Stéphane. Ça va? Ouais, ça va super. Où est le jardin? C'est par là. Je pose ça là. Ouais, ouais. Bonjour Axel. Bonjour Stéphane. Ça va? Super, et toi? Bah oui, ça va. Ah, dites-moi, il y a longtemps que vous êtes là? Alors, on a emménagé il y a un an et demi. Ok. Plein hiver, donc on s'est pas trop occupé du jardin, on était focalisés sur la maison. Normal. Et voilà, on a essayé un petit peu de végétaliser tout ça l'été dernier, mais voilà, on a essayé de cacher un peu la butte, la bâche, en vain, puisqu'on la voit toujours autant. En même temps, c'est atypique et c'est plutôt intéressant. Oui. On sent vraiment ici qu'il y a de l'humidité au rez-de-jardin. Et là, il y a du romarin, donc ça veut dire que c'est mieux drainé. Et puis, ce qui est la particularité, c'est que vous avez une sorte de... On a un duplex. Voilà, un duplex. Au-dessus, une terrasse où je pense qu'il doit être agréable de prendre le soleil le midi. Ouais, super pour les déjeuners. Et puis une porte. Une porte mystérieuse. Mystérieuse. Très mystérieuse. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez ici ou qu'est-ce que vous n'aimeriez plus? On aimerait cacher, on aimerait tout végétaliser. Que ce soit un vrai espace comme le jardin qui descend dans la maison. Quoi, en fait. D'accord. Bon, on fait disparaître la vache. On met génial. Des plantes à la place. Super. Et quel type de végétaux, dans quel esprit? Bah, esprit hyper nature, champêtre, des plantes qui soient faciles aussi à entretenir parce qu'on n'est pas non plus à jardiner tous les week-ends. D'accord. D'autant plus qu'il y a un petit qui va arriver et vous allez être très, 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 très pris dans les mois à venir. Bon, plus de végétaux, une porte qui disparaît et un endroit agréable à vivre. Apparition, disparition, vive la vie, que vive la magie d'un dessin. Donc en haut, on va commencer par planter des arbustes, ouais, de manière à créer une sorte de barrière entre cette terrasse et la pente. D'accord. Ce sera rassurant visuellement, ce sera peut-être même rassurant physiquement lorsque le petit courra partout. Et puis ce sera plus joli aussi, parce qu'on verra moins le mur gris qui est derrière. Ouais, donc là, il va y avoir, parce que tu aimes les choses qui viennent du sud, il va y avoir des choses comme pistachier. Génial. Vous avez un peu mélangé comme ça des essences tout à fait adaptées et des choses un peu plus méditerranéennes. D'accord. Génial. Il y a un tout petit camélia qui va devenir grand. Génial. Parce que voilà, toi tu veux des choses du sud. Non, tu veux des choses qui fleurissent. Okay. Voilà. Je vais te planter un banksia. Ouais. Un rosier banksia. Tu pourras éventuellement le faire courir sur la galivelle. Wow. Et puis qui ensuite pourra redescendre éventuellement entre les plantes qu'on aura installées. Ça va être super, ça. Oui, ça va être bien, ça. Alors, dans la descente, on a installé des arbustes, des arbrisseaux même, qui ponctuent cette pente. Okay. Et puis, ça va tenir un peu le sol, quoi. Ah, c'est important, ça. Mais oui. Pour le côté sauvage, j'ai envie de quelques genêts. Ouais. Parce que ça sent super bon. Ça fleurit à cette saison. Et... Combien de temps Bon, ça fleurit 3 semaines. Ah ouais. Voilà. En bas. Ouais. Le romarin, il va super bien. Sauf que celui-là, il est amené à grandir. Ouais. Donc, on va en installer d'autres qui vont descendre. Voilà. D'accord, ouais. Le pointe de rat, lui, il descend. Et on va ponctuer ça avec des lavandes. Ouais. Et parce qu'on a enlevé cette bâche, quand même, qui a un rôle, qui est de limiter l'érosion, il va falloir rajouter des plantes qui, elles, vont tenir le sol. Ouais. D'accord. Les plus grandes, c'est les sarcococca. Ça sent très, très bon en janvier. Génial.
Et puis des fougères avec un système racinaire qui lui aussi s'étale comme ça sous la terre et la tient. D'accord. Et puis d'autres couvre-sols encore, mais plus à plat. Donc là, la pièce maîtresse, ce sera un Magnolia grandiflora. Sauf que c'est un arbre. Donc il va falloir que vous appreniez à le tailler. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il soit palissé le long du mur. Ok. Et au fond, devant cette porte, on va planter un photinia, monter sur tige et ensuite palisser. Ça fera une sorte de rideau qu'il faudra tailler de manière à ce qu'il ne vienne pas trop en avant, mais qu'il puisse prendre de la hauteur. D'accord. Voilà. Le photinia, il a l'avantage d'avoir des feuilles vertes, des feuilles rouges. Enfin, voilà. Voilà, est-ce que ça vous plaît? Oui. C'est énorme. C'est énorme. Il y aura une bâche bien vilaine qui, ni une ni deux, disparaît. Une petite haie très variée plantée juste au-dessus, un photinia pour masquer la porte mystérieuse, des plantes méditerranéennes, des plantes fleuries, bien d'autres surprises et le mot de la fin. D'ici quoi, c'est vraiment un nouveau jardin, c'est super. Voilà, la cueillette est finie. Nous allons pouvoir faire avec vous un petit tuto. Aujourd'hui, nous allons faire des empreintes de fleurs en partenariat avec le magazine Marie-Claire Idée. Mais comme nous sommes à la télé, nous avons la chance de pouvoir avoir la créatrice qui va nous expliquer comment faire en images. Il s'agit de Bernadette Terrasse. Bonjour Bernadette. Bonjour Carole. Bonjour Bernadette. Bonjour Stéphane. Alors vous l'avez entendu, il y a une petite voix douce en plateau et pourtant c'est une créatrice sanglante Stéphane, puisque l'on va marteler les fleurs. Dangereuse. Dangereuse. Alors il s'agit de quoi? De marteler des fleurs, vraiment? De marteler des fleurs. Eh bien tout simplement, on va prendre une fleur fraîche. Comme on l'a cueillie à l'instant. Comme on en a cueilli tout à l'heure. On va prendre un tissu. Un tissu, moi je prends en général des draps anciens, des vieux draps. Après ce tissu, il faut le mordancer. Alors mordancer, c'est quoi ça? C'est quoi ce mot? Eh bien... Faut le préparer. C'est une préparation. On prend le tissu, on le plonge dans un bain, ouais. Dans un bain qu'on a préparé à l'avance avec les produits qui sont ici. Donc, quelle est la recette? On va mettre, par exemple, si vous mettez 5 litres d'eau, oui. Vous allez prendre à peu près 40 grammes de poudre d'Alain. Mmh. Ouais. Ensuite, vous allez prendre des cristaux de soude et vous allez en prendre 20 grammes. Mmh. D'accord. Et la crème de tarte. Voilà. Il en faut combien de crème de tarte? 20 grammes. Donc, après, vous mettez un demi-litre de vinaigre blanc. Ouais. Vous, vous, avez bien remué tout, vous avez bien fait fondre vos ingrédients. Et vous faites chauffer. Vous montez la température à 60 degrés, à peu près. Hein. D'accord. À 60, il ne faut pas que ça dépasse 60. Et vous allez plonger votre drap, votre tissu dedans. Combien de temps? Vous laissez à 60 degrés pendant une heure, puis vous éteignez et vous pouvez le laisser jusqu'au lendemain ou vous pouvez le ressortir. Moi, en général, je le laisse toute la nuit. D'accord. Voilà. Et ça fait quoi au tissu? Ça permet donc aux fibres du tissu de recevoir et de réceptionner. De boire le... la teinture. Ah, ok. Les... C'est comme quand tu fais une teinture, mais l'oxygénée, ça ouvre les cailles du cheveu et crac, ça rentre et. Voilà. Tu vois un peu. On voit l'image, Stéphane. Donc là, on a de la chance, vous nous avez préparé le tissu, on n'a pas à faire la préparation. Oui, ben oui. Donc on va taper les fleurs directement sur le tissu. Donc si on prépare un peu à l'avance, si on est un peu organisé, mais après c'est tout simple. Mais oui. D'accord. Alors il faut aussi, en plus du tissu mordancé, on va prendre un vieux morceau de tissu. Voilà, il a déjà servi d'ailleurs celui-ci, pour mettre par-dessus. Voilà. On va commencer par quoi? Ben, par la ciste, qui est magnifique. Oui. Alors, je la place comme ça directement sur mon tissu? Non, pas du tout. Ah. Pas du tout, parce que vous avez tout ça. Vous avez un cœur qui est très important, qui est gros. Donc, si vous placez votre fleur comme ça et que vous marteliez directement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire un gros splatch. D'accord. Et ça ne sera pas joli du tout. Exactement. Donc, il faut très dépiauter la feuille. Voilà. On dépiaute la fleur. Donc, on va prendre un pétale. On essaye d'imaginer un petit peu la fleur qu'on va faire. Voilà. Et on prend son marteau d'une main ferme et on tape.
vous voyez apparaître la couleur. Et ici, évidemment, on ne voit pas puisque nous avons mis le scotch. Alors, on regarde, on soulève doucement et on vérifie. Et on vérifie que tout a bien marché. A priori, oui. Magique. Voilà. Trop beau. C'est fou, hein ? C'est beau, hein ? Le pétale a tout donné, hein. Voilà. Et vous faites pétale par pétale. On aurait pu très bien scotcher les 4-5 pétales. Par expérience, je peux vous dire que le résultat est plus joli quand on travaille pétale par pétale. Alors, on va se lancer, Stéphane. Mais juste pour vous expliquer, le but, c'est après d'en faire, en tout cas pour vous, des herbiers et même des cartes. Oui, des cartes que j'envoie à mes amis. Et éventuellement, on peut faire des photocopies après avec la carte. Oui, Bernadette aussi, elle est pressée. Elle est rapide. Bon, en tout cas, on va essayer parce que moi, ça m'intrigue tellement, j'ai vraiment envie. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bah écoutez, j'adore cette technique en fait. Les pensées, c'est juste dément. Hein. Ça marche bien. Hein. C'est extraordinaire. Alors moi, je veux qu'on parle aussi des feuilles parce que le résultat là, il est incroyable. Donc c'est la même technique. C'est la même technique. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça ressemble à des photographies. Oui. Et ce qui est encore plus extraordinaire, je trouve, c'est qu'en y regardant de plus près, il y a la trame du tissu qui réapparaît. Oui. Et ça donne, entre les nervures et la trame du tissu, c'est d'une délicatesse que je trouve magnifique. C'est joli. Et je sais, Bernadette, que vous voulez rendre les fleurs éternelles. Voilà, j'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup la nature en général. Et c'est vrai que les fleurs, c'est triste quand une fleur se fane. Ben voilà, comme ça, elle se fane moins vite. Donc il faut maintenant expérimenter chez vous, marteler les fleurs. Mais à présent, nous allons les mettre sous verre. Nous allons à la rencontre de Miyoko Yasumoto. Après une carrière dans la publicité, elle a décidé de consacrer sa vie aux fleurs. Nous allons pénétrer son atelier de trésors séchés. L'idée, c'est de faire une espèce de curiosité. Et de brouiller les pistes entre le végétal, l'animal. Donc on va mettre en place des choses qui font très anémone de mer, en fait. Alors ici, nous sommes dans mon atelier, qui est en fait un atelier où je fais mes bouquets, où j'invente des choses, où je peux dessiner aussi, peindre, créer des objets comme ces vases. En fait, dans mon atelier, il y a aussi les photos de mon compagnon, donc, qui sont des grands formats et qui sont de véritables fenêtres sur la nature. Ça décuple un peu l'espace. J'ai l'impression de me retrouver soit en pleine forêt, soit au bord de l'eau. Et ça me permet de me replonger dans un état d'esprit, dans des émotions en fait, qui sont très propices à la création. Mes origines sont franco-japonaises, donc mon papa est japonais, ma maman normande. Le Japon où j'ai vécu 10 ans quand j'étais petite m'a apporté une sensibilité, je pense, particulière qui a dû influencer mon travail. Au Japon, on appelle ça la voix des fleurs. La voix des fleurs, c'est comme la voix de l'écriture. C'est un travail de recherche. Je n'ai pas trouvé, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de recette. Mais c'est juste une sensibilité qui parle. Et quand je travaille pour un client, j'essaye de transmettre sa propre sensibilité, c'est traduire les émotions de la personne qui m'a commandé un bouquet ou une composition. Alors, bien évidemment, j'adore toutes les fleurs. J'aime les fleurs à tous les âges, c'est-à-dire du bourgeon à la fleur merveilleuse en pleine splendeur et aussi la fleur un peu fanée ou même séchée. La beauté peut naître aussi, non pas que de la lumière, mais aussi de l'ombre, des différents moments, tout simplement, d'une vie. Les fleurs séchées que je travaille viennent de mon jardin dans le Poitou, dans lequel poussent des hortensias comme dans toutes les maisons de campagne.
des graminées aussi, beaucoup, parce que j'ai une passion pour tout ce qui est graminées. Et j'importe des fleurs, donc ce sont des fleurs fraîches que je fais sécher, comme ces renoncules, dont j'aime beaucoup l'aspect. Elles ont un aspect presque de papier. Le jardin sous verre, c'est une tradition française du 19e siècle au début 20e, de mettre sous verre des choses très précieuses, des souvenirs, un bouquet de mariée, une lettre, un bijou. Et ça condense en fait souvent une vie. Alors dans mon cas, ça va être un moment, une émotion, à un moment donné, que l'on va arrêter et que l'on présente comme ça sous verre. Les jardins sous verre sont aussi des petits écosystèmes. Ils me rappellent aussi beaucoup les bonsaïs. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, ces forêts miniatures dans lesquelles on a l'impression de pouvoir rentrer et se promener. Je comprends tout à fait l'engouement sur les fleurs séchées, que l'on m'explique très bien d'ailleurs pour une question de praticité, de respect de l'environnement, c'est-à-dire choisir des fleurs et les garder le plus longtemps possible. Et d'autre part, il y a une nouvelle tendance de l'esthétique japonaise wabi-sabi, qui est une esthétique de l'imperfection, du temps qui passe, de la trace du temps. Et je trouve ça vraiment intéressant aussi. Aujourd'hui, je suis très, très épanouie. J'ai vraiment envie de continuer. Les fleurs m'ont montré la voie, donc je continue sur cette lancée. Et puis, j'ai envie de développer aussi la création, repousser les limites de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et puis, partager aussi avec les autres, puisque les fleurs m'ont aidée, elles m'ont montré la voie. Donc, essayer de partager ça avec le plus de monde possible. Je vous ai dit en début d'émission que nous allons voir de belles fleurs. C'est le cas, là. C'est même son nom. Oui, c'est vrai. Philadelphus Snowbell. Et pas comme des cloches, hein. Belle, B-E-2-L-E. On mélange l'anglais, on fait du franglais, quoi. Bah écoute, c'est une obtention qui doit être un peu britannique, j'en sais rien. Snowbell, c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors, les Philadelphus sont, de manière commune, appelés des seringas. Je trouve que cet arbre, il est très élégant comme ça, et puis très blanc, et avec des fleurs doubles, légèrement parfumées. Ce sont des arbustes qui vivent très longtemps, et qui sont là, fidèles au poste, qui reviennent chaque année, et qui demandent très peu de soins. C'est pour ça que nous les aimons. Et là, j'avais envie de le planter ici, dans cette plate-bande qui ressemble à une lisière. D'autres vont pouvoir le planter dans une haie fleurie. Ah, génial, ça met un peu de lumière. Bah, ça apporte de la floraison, comme ça, en plein mois de juin, c'est formidable. Et peut-être même au milieu d'une plate-bande, si on a envie. C'est pas une plante compliquée, donc elle va supporter d'être au soleil. Oui. À mi-ombre, éventuellement, il y aura un peu moins de fleurs. Mais elle séchera moins, parce que vois-tu, elle aime les sols plutôt frais. Ah bah là, je suis pas sûre que ça soit le cas. Mais parce qu'en fait, ça fait 2 mois qu'il y a des vents d'est là qui nous sèchent le sol et qui... c'est juste incroyable, on est en juin et la terre est sèche, ça craint du boudin. On va mettre de l'eau, on va humidifier oui, tout ça. On va l'arroser gentiment. Donc, ces plantes-là aiment les sols un peu plus légers que celui-ci qui est un peu argileux. D'accord. Donc on va rajouter du sable. Et puis, bien entendu, puisque nous l'installons, on va mettre un peu d'humus pour lui donner à manger en ajoutant du compost. Mais ces plantes ont l'avantage, c'est un avantage formidable, d'aimer les sols calcaires. Il y a tellement d'endroits en France où les sols sont calcaires. Et on ne sait pas quoi mettre. Ben non, parce qu'on n'a pas le droit aux rhododendrons, ni aux hortensias, ni à d'autres choses. Et donc c'est bien d'avoir des repères comme ça un peu forts sur les plantes de sol calcaire. Le Philadelphus en est un. Celui-ci ne mesurera pas plus d'1,50 m. Ok. Et pour 1 mètre d'envergure. Donc je crois qu'il est temps de faire notre mélange. Très bien. Voilà. Passe-moi le seau. Passe-moi le seau. C'est le plus lourd. Tu veux pas plutôt verser celui-là ? Ok. Donc tu vois, le sable, ça va donner comme ça un petit côté limon.
Ça va meubler, oui, comme les limons les limons de rivière, quoi, le bord des rivières, ah, où il y a à la fois du sable et de la terre riche. Le trou derrière, il est à peu près, oh, il aurait pu être deux fois ou trois fois plus grand que la motte. J'étais un peu généreux là, sur là. J'enlève ça. Hop. Tu l'enlèves ça, son petit manteau ? Bah écoute, son petit manteau, ça participe de la fraîcheur du pied. Et comme c'est une plante qui aime bien les sols frais, on va le laisser, ça ne mange pas de pain. Et puis de toute façon, ça va se biodégrader avec le temps. Ok. Voilà. Et un peu impeccable. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, hein, remettre de la terre autour. Donc les sols frais. Un sol un peu frais, quoi. Il n'aime pas avoir trop soif, bien qu'il soit assez tolérant. Et puis avec le temps, ses racines vont s'enfoncer. Donc il sera un peu moins vulnérable. Il faut faire attention la première année. Mais tu as dit que c'était quand même pour les jardiniers amateurs. Facile. Ah oui, 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 c'est vraiment la plante de jardin, facile à vivre, qui nous réjouit tous les ans. Un peu de paillis à son pied. Hop là. Tu veux ? Oui, vas-y, allez, je vais étaler ça. Hop. Ah ben voilà, notre Philadelphus Nobel est là pour au moins 50 ans. Je le couronne. Voilà, magnifique. Super. Bon Stéphane, on tourne actuellement dans ta maison, une ferme que tu as entièrement rénovée, mais tu aurais pu aussi la construire de tes mains ta maison. Nous allons faire le point sur les Kerterres, ces maisons écologiques faites à base d'eau, de chaux et de sable. L'habitat, c'est ce qui salit le plus la planète et donc j'ai opté pour trouver une autre façon d'habiter la Terre. Une motivation qui a conduit Evelyne Adam à inventer, il y a plus de 20 ans, son propre concept de maison écologique baptisée Kerterres. Au départ, on appelait ça igloo, puis on s'est dit que ça faisait froid. On a cherché un nom, puis un jour on s'est dit ker, ça veut dire maison, et donc on a mis Kerterres, et depuis c'est un mot qui arrête pas de se dire. Donc c'est un habitat rond, sans structure, fait uniquement en plantes et en chaux ou en argile. Les premières, je les ai fait avec toutes sortes de plantes. J'ai mélangé des plantes grandes, des petites, des grandes. Donc il y avait le fenouil, le patoir, le chien d'en, le gazon des voisins, enfin, etc. Tout mélangé, le plus de taille possible de plantes. Dans l'argile, ça c'était une technique. Et maintenant, je mets principalement du chanvre avec de la chaux. C'est juste une sorte de pâte à modeler avec des plantes qu'on trempe dans la chaux ou dans de la chaux et de l'argile ou dans de la chaux et du sable et on modèle. Et on n'utilise pas de poutre ni d'arbre. On ne tue pas d'arbre pour faire cette maison. Pour faire des arbres, il faut 20 à 30 ans. Pour faire du chanvre, il faut un an. Donc il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus simple de construire avec des plantes. Donc c'est un habitat qui ne demande pas cher à la terre, mais également pas cher à l'humain. On a fait la Kerterres toilette sèche, la Kerterres salle de bain, la Kerterres chambre. On peut faire toutes sortes de Kerterres. Et si je les avais fait pas petit à petit comme ça, je les aurais toutes collées et j'aurais une super maison du futur. Il y a 20 ans, Evelyne passait pour une farfelue. Mais aujourd'hui, ces Kerterres poussent un peu partout en France. Le site historique est devenu un centre de formation et des stages de construction sont également organisés un peu partout dans le pays, directement chez l'habitant. Claude accueille sur son terrain de bord de mer un stage d'initiation à la construction d'une Kerterres. Ah ben moi je suis complètement ravie de pouvoir faire cette Kerterres. Je n'aurais jamais pu imaginer il y a quelque temps, il y a un an, que j'allais pouvoir me faire construire une Kerterres et en plus de ça en 5 jours. Quoi. C'est extraordinaire. Et le trou, quand ça sera solide, demain ça sera très facile de venir le combler. C'est Solène, une ancienne stagiaire d'Evelyne devenue formatrice, qui pilote le chantier. Ah ouais ?
La base, c'est du chanvre, comme on a là, brut. C'est ça qui crée l'ossature parce que c'est des fibres très longues. Et après, on met un peu de chaux, un peu de sable et de l'eau. C'est ça la base. Par rapport à une construction normale, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Tout est avec les mains, il y a très peu d'outils. Les outils, c'est à la fin, pour l'enduit imperméable, sinon on fait tout avec nos gants et nos mains. C'est quand même agréable de sentir qu'on crée un mur sous ses mains, comme ça, qui monte. C'est quand même agréable et rare. La chaux, c'est une matière naturelle qui sèche très très lentement. On appelle ça la carbonatation. Du coup, il y a au moins un an pour qu'elle se retransforme en pierre. En fait, c'était du calcaire à la base, la chaux. Du coup, c'est un très très long processus. On dit que c'est toujours l'inverse d'une maison, les carteres. Une carter, les premières années, c'est pas hyper agréable parce qu'il y a ce taux d'humidité. Et puis, plus ça va dans le temps, plus ça se bonifie. Alors que la maison, en général, tu l'achètes, elle est nickel au début. Et puis, plus ça va, plus ça se dégrade. Du coup, faut être patient avec les carters. Ça faisait partie de mes rêves, mais j'avais pas les moyens d'avoir une maison secondaire. Ben maintenant, je l'ai. Cette petite carterre va me permettre de venir l'hiver, sous la tempête, la pluie, de venir ici, dans mon petit cocon, faire mon petit feu, parce que je vais avoir un petit poêle, voilà. Et puis passer mon week-end, là, en autarcie, avec moi et mon chien. ans, c'est l'âge de cette petite carterre. C'est la toute première qu'Evelyne a construite, et elle est devenue aussi solide qu'une grotte. Aujourd'hui, les carteres évoluent vers plus de confort. En voici une nouvelle génération. À deux pièces de 30 mètres carrés où habite Adèle, la fille d'Evelyne, qui a aujourd'hui repris le flambeau. Bah, j'ai la plus belle carteres du monde, on pourrait dire. La plus aboutie que je connaisse, c'est celle-là. Quand je viens ici, je suis comme dehors dedans, en quelque sorte. Tu vois, t'entends la pluie, t'es bien, il y a le feu, c'est très confortable. C'est un cocon, c'est... Et puis, c'est des résonances hyper basses, en fait. Et c'est apaisant. Je pense que c'est les résonances de la terre, parce qu'on est vraiment au sol, presque, même s'il y a le plancher. C'est... On y a été à tâtons. On est autodidacte, on est des artistes constructeurs, et en même temps, il faut aussi se former, comment ça marche. Et donc... J'ai travaillé sur tout ce qui est remonté d'eau. Donc maintenant, la plupart des carteres qu'on fait maintenant, ça ne remonte plus par le sol. Donc pas d'humidité. Je suis en train de faire en sorte que justement cette pièce, cette maison soit un studio autonome. Où l'eau, elle arrive de la pluie, stockée directement à mon évier. Peut-être avoir un poêle de masse qui fait une banquette chauffante. Voilà. Pour encore plus simplifier la vie, moi, mon objectif, c'est de rendre l'autonomie aux gens. Faire en sorte que les gens, ils se rendent compte que tu peux construire ta maison tout seul. C'est facile. Et voilà. Voilà, Stéphane a travaillé son biceps droit pour faire une belle jardinière. Ah, je croyais que c'était la poule. Heureusement que tu as rajouté la trompette à la fin. Donc, il est question de toile de jute. Oui, il est question de faire une jardinière qui soit un peu différente de ce que nous faisons chaque année. Voilà, enfin l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne bien, ouais. Avec une réserve d'eau, avec de la terre, quelque chose qui ne s'affale pas, qui ne s'effondre pas. Tenue. Qui est de la tenue. C'est la raison pour laquelle nous avons coupé ce contenant de récupération. Ça va être la gaine de notre histoire. D'accord. Vois-tu, et ensuite, on va avoir une soucoupe, parce qu'évidemment, je veux une réserve d'eau. Elle est compatible ? Oui. Oui, mais c'est en plus l'avantage. Je l'ai coupé parce qu'il faut que ça rentre dans le sac. Il est plus large que le sac. Donc, tu vois, je vais pouvoir faire comme ça si c'est nécessaire. Donc, là, une soucoupe. Un sac poubelle à l'intérieur duquel je vais mettre la soucoupe. Des trous, évidemment, pour que l'eau puisse s'échapper. On va faire ça dans l'ordre. Et donc, ça donne quoi dans l'ordre ? Ça donne. Alors, je prends le sac poubelle. Un. Okay. Je mets la soucoupe à l'intérieur du sac poubelle. Deux. Vas-y. Bien au fond, comme ça, bien assise. Une fois que ça, c'est fait, ouais. Je mets ça. Tu prends des ciseaux et tu fais des trous, quelques trous
au-dessus de la soucoupe. On va en faire plusieurs, 3 ou 4. Voilà. Voilà, donc on est sûr que l'eau va pouvoir s'échapper et en même temps, on est certain qu'il y aura une réserve d'eau au fond de notre contenant. Là-dessus, ce que nous allons faire, c'est glisser dans le sac la soucoupe. Voilà, on peut la mettre ici pour le moment, pour que ce soit bien au fond. Ça a l'air bien là. C'est pas mal, ouais. Ensuite, tiens, on va prendre notre gaine, ouais, qui va assurer le fait que ça se tienne bien. Et on va la passer entre le sac poubelle et le sac de jute. Paf. Là, on est bien. Voilà, et là... Il va falloir remplir. Faut remplir, faut mettre quelques billes d'argile. Bon, à présent, on va le mettre par terre parce qu'on va le remplir de terreau et puis il est voué à rester là, sur la terrasse. Et là, on va choisir les plantes. Ah, oh, celle-là, magnifique. Elle est belle, hein, ouais. Vraiment, elle est belle. Moi aussi, j'aime beaucoup cette teinte, elle est insensée. Donc l'idée, c'est quand même de choisir les plantes en fonction de l'endroit où tu vas mettre ta jardinière. Celle-là, bien entendu, c'est pour le soleil. Ouais. Ici, la Suzanne aux yeux noirs, c'est éventuellement soleil mi-ombre. Et puis, si je suis plein soleil, je vais mettre ce petit sédum qui va adorer ça. Et les sauges aussi, les sauges. Les sauges, c'est trop beau. Voilà. Bon, celle-là, elle a eu un petit choc. Non, celle-là, je l'aime moins. Ah bon, d'accord. Et alors, par contre, si je suis à mi-ombre, je vais mettre ce petit abutilon. Très mignon. Enfin, ce qui est important, c'est de choisir les plantes vraiment en fonction de l'exposition de ta jardinière. Sans quoi, c'est l'échec. Allez! Voilà, c'est bien, c'est joli comme ça. Très joli. Et puis, on va juste défaire le tuteur de la Suzanne. Et les marqueries, je l'enlève aussi? Oui, je pense que ça va tenir maintenant. Et tout ça, bien entendu, de façon à ce qu'au lieu de grimper, elle dégringole le long du sac. D'accord. Ça va être joli. C'est pas mal quand même. J'aime beaucoup. Ah, merci. On arrose un peu et puis tu nous racontes la suite. D'accord. Tu arroses et je vous raconte la suite. Nous prenons un peu de hauteur, même si là nous sommes au sol. Nous partons dans les Vosges, au jardin du Haut-Chitelet, en compagnie de Stéphane, mais aussi de Frédéric Potz. Nous allons apprendre l'histoire de ce lieu, mais aussi beaucoup de choses sur la mode des fleurs alpines. Dans les Vosges, le col de la Schlourte est le refuge d'une collection extraordinaire de plantes de montagne, rassemblées dans une sorte de jardin satellite, placé sous la protection du jardin botanique de Nancy, distant de plus d'une centaine de kilomètres. Dis-moi Frédéric, l'histoire du Haut-Chitelet, elle débute quand ? Il y a une première phase de jardin alpin au début du XXe siècle, puis une phase d'abandon. Et en 1966, il y a des camps franco-allemands, avec des jeunes horticulteurs. Et puis, il y a tout un tas de gens qui viennent parce qu'il y a des travaux absolument considérables pour rapporter toutes ces pierres des environs et puis pour constituer toutes les collections, puisqu'aujourd'hui, c'est presque 2500 espèces végétales de montagne qu'on retrouve dans ce jardin. Et c'est dans le cadre de l'amitié franco-allemande d'après-guerre ? Exactement. Mais pourquoi est-ce que, dès le XXe siècle, on a voulu installer un jardin ici ? Quand on est à Nancy, on a le climat nancéen, donc la plupart des plantes vivent assez correctement dans ce climat de basse altitude, mais toutes les plantes de haute montagne, il faut les mettre vraiment dans un climat adapté. Et il y a un certain nombre de structures à l'échelle mondiale qui ont un jardin en plaine et une annexe en haute altitude. En fait, c'est un endroit qui est très intéressant puisqu'on est au sommet des Vosges, donc c'est très venteux, c'est très humide et c'est très froid. Donc on a ici, à 1220 mètres d'altitude, le même climat qu'à 2000 mètres dans les Alpes. Ça, c'est le col de la Schlourte. Et ça nous permet ici d'avoir des plantes de l'Himalaya qui poussent habituellement à 5000 mètres ou des plantes de la cordillère des Andes qui vivent aussi à 3-4000 mètres. Eh bien, elles retrouvent quasiment le même climat dans les Vosges, dans ce jardin du Haut-Chitelet. Et on est sur la fin d'une grande, grande mode des plantes alpines. Ah, effectivement, la mode des plantes alpines, c'est la fin du 19e siècle, 1880, où effectivement, toutes ces collections qui paraissent assez banales aujourd'hui, d'avoir 50 espèces de primes verts du Tibet, des plantes du Jura ou même des Alpes, eh bien, à l'époque, c'était effectivement assez compliqué. Et on a la chance aujourd'hui, via les échanges avec les collègues, puisqu'on est dans un réseau européen des jardins de montagne, on a la chance aujourd'hui d'avoir assez facilement des plantes botaniques de haute montagne. F-
Philippe, c'est important que les gens, en arrivant ici, comprennent que les plantes alpines sont très particulières et vivent des contraintes extrêmes. Oui, en effet, l'environnement alpin est un milieu très difficile. C'est le froid en premier lieu qui règne une grande partie de l'année, la neige l'hiver qui dure pendant 6 mois des fois. En fin de saison, on peut avoir plusieurs centaines de kilos sur 1 mètre d'épaisseur. Donc on a des exemples de petites plantes vraiment tapies contre le sol parce que justement elles sont écrasées par le poids de la neige. Donc là, on a regroupé quelques plantes justement dont les adaptations sont typiques. Donc des grosses fleurs, hein, des petites plantes, mais des fleurs énormes qui attirent vraiment les insectes par la masse de floraison justement. Des feuillages duveteux, gris, argentés. Donc ça fait une petite couverture isolante hein, contre le froid, mais aussi contre l'évaporation et puis l'intensité de l'ensoleillement. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des sols qui sont généralement très très fins. Oui, la plupart du temps, oui. Donc pour le coup, il faut que la plante s'économise au maximum. Voilà, oui, oui. Stockez-le à tout prix. Nous sommes ici dans une tourbière, ou tout au moins au-dessus d'une tourbière qui est tout de même assez particulière. Oui, effectivement, donc c'est une tourbière de pente, alors que les tourbières habituellement s'installent plutôt dans des cuvettes, puisqu'il faut que l'eau soit maintenue. Et surtout, c'est un espace naturel sensible, donc il y a ici plusieurs espèces qui ont un statut de protection nationale. Et c'est un milieu qui a subi des modifications au fur et à mesure du temps, du siècle, et puis de ces dernières années. Effectivement, parce qu'il y a eu un projet de valorisation au début du XXe siècle pour optimiser et créer des prairies de pâture. Donc en fait, on a drainé toute cette tourbière, qui dit drain, on enlève l'eau, et là, toutes les plantes, les petites droséras, eh bien, ont progressivement disparu. Et là, on a lancé depuis 2011 un vaste programme pour recréer le fonctionnement naturel de l'eau. Donc on a des zones où l'eau recommence à s'accumuler, et on voit les espèces végétales typiques des tourbières alpines eh bien, se réinstaller progressivement. Et puis derrière nous, il y a une hêtraie. Alors ça, c'est assez fantastique. Des vents extrêmement forts, des climats très froids et très humides, eh bien, l'arbre qui domine, c'est le hêtre. Et il y a ce qu'on appelle des anémomorphoses, c'est-à-dire que les hêtres avec le vent, eh bien, prennent des formes extrêmement tortueuses, ça fait un peu comme des forêts de sorcières. Et on a ici une hêtraie d'altitude qui est assez exceptionnelle. Et c'est encore pertinent, c'est précieux aujourd'hui pour un jardin botanique d'avoir justement ce satellite comme ça ailleurs pour pouvoir travailler. Alors, on est dans un programme européen sur les changements climatiques. Il faut savoir que la montagne est un endroit qui est extrêmement réactif par rapport au changement climatique. Et donc, il y a des programmes de recherche à l'échelle européenne où on a des protocoles pour voir comment la végétation, dans son cycle annuel, eh bien, réagit à ces changements climatiques. C'est-à-dire que vous notez l'époque de floraison chaque année? Exactement. On a, dans ce programme européen, les mêmes espèces. Et chaque jardin note à quel moment les premières feuilles apparaissent, à quel moment elles fleurissent, à quel moment la première fructification apparaît. Et ça permet, sur un programme sur des années et des années, en fonction des régions, de voir comment les plantes vont pouvoir s'adapter à ces changements climatiques. Dans les nuages et sous la neige une bonne partie de l'année, le jardin d'altitude du Haut-Châtelet attend les jours meilleurs pour dévoiler ses secrets et révéler la délicate beauté des plantes de montagne. Que l'on va vous présenter la plante de la semaine. Ouais, les plantes de la semaine qui s'appellent Sarracenia purpurea. Elles sont originaires de l'Arctique canadien et du nord des États-Unis. Ce sont des plantes carnivores, passives, vois-tu, parce qu'elles ne bougent pas, parce qu'elles ne ferment pas leurs clapets, parce qu'elles ne ferment pas leurs mâchoires sur les insectes qu'elles dévorent. Ce sont des plantes vivaces qui vont mesurer, ça dépend des types, hein, vois-tu, elles s'appellent toutes Sarracenia purpurea. Celle-là va mesurer 50 cm, celle-là va mesurer à peu près 30 cm. Elles fleurissent en ce moment, au mois de juin. J'adore ces fleurs qui sont tellement délicates. Attention. C'est tellement étrange. Pourquoi attention? Non. Elles sont là. Non, elles ne vont pas me manger. Le feuillage est persistant dans la mesure où, vois-tu, ici, nous avons les feuilles de l'année précédente dans laquelle nous trouvons des mouches, des bestioles, des petites choses dont elles se sont nourries. Tu vois, au fond, il y en a plein. On peut même y trouver des frelons asiatiques. C'est une des vertus que nous leur avons découvertes récemment. Ce sont des plantes qui vont avoir besoin d'une exposition plein soleil, parce qu'elles vivent dans des marécages où il n'y a pas d'arbres, donc c'est dans un milieu très 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 ouvert, dans la tourbe, c'est le sol qui leur convient, elles sont allergiques aux matières minérales qui les empoisonnent, qui les tuent, il faut les arroser avec de l'eau de pluie. Bon, là c'est... ça va. Ça tombe bien. Là ça tombe bien. Contentes les filles.
Elles vont résister à des températures d'environ moins 5 degrés. C'est ce qui est écrit dans la littérature. Pour moi, elles résistent à plus fort encore. Ah oui, tu les laisses dehors ? Elles passent l'hiver dehors, sur le petit muret, là. Et elles s'en satisfont tout à fait. Voilà, donc j'aime bien voir les mouches qui s'en vont et qui tombent. Parce qu'elles ont mangé. Et très qui bien. Restent là. Bon, redonne-nous son nom. Sarasenia purpurea. Très bien, une bâche verte en guise de paysage, ce n'est pas possible. Stéphane va donc intervenir pour aider Axel et Laura. Il a une pente à habiller de plantes, donc c'est un numéro d'équilibriste cette semaine. Stéphane a rejoint Axel et Laura dans leur jardin, une sorte de duplex composé de deux terrasses, reliées par un talus très abrupt, recouvert d'une bâche de plastique bien moche qu'ils veulent voir disparaître. Le dessin propose de la remplacer par des plantes capables de retenir la pente en beauté. Voilà, est-ce que ça vous plaît ? C'est énorme. C'est énorme ! Voilà. Ah. Bah, on commence à voir un peu la terre. Ouais. Très bien, donc on va enlever toutes les bâches. Ensuite, à la limite, entre l'herbe et la terre, on plantera les arbustes. Okay. Et puis tout doucement, en partant du haut, on descendra en mettant tous les arbustes et toutes les plantes au fur et à mesure. Super. Voilà, à vos genoux. La bâche est retirée d'un seul coup d'un seul sans abîmer les plantes déjà installées. Le photinia monte sur la terrasse supérieure. Il est rejoint par une série d'arbustes, tous différents. La première fosse est creusée, un rosier banksia est planté. Ces lianes très poussantes sont conduites sur les ganivelles, elles pourront bientôt les recouvrir complètement. À suivre, un cognassier du Japon aux fleurs blanches, double, un physiocarpus au feuillage doré, un oranger du Mexique, un camélia champêtre et le plus méditerranéen de tous, un pistachier lentisque. La ramure du photinia sur tige est palissée sur une structure de métal. Quelques coups de sécateur l'aident à prendre la marche à suivre. Un trachélospermum jasminoïde est installé à côté d'un petit arbre qui deviendra grand, mais pas trop. Donc voilà le Magnolia grandiflora dont nous avions parlé. L'idée, c'est qu'il soit palissé le long de ce mur, jusqu'à une certaine hauteur, bien sûr, et qu'il ne vienne pas trop en avant. Ce qui veut dire que tout ce qui viendrait trop en avant est taillé au-dessus d'une feuille. Ici, il y a un bourgeon. D'accord. Donc ça va continuer de pousser, mais ça va se densifier. Donc je coupe ici. Ensuite, ces branches-là, on a envie qu'elles s'étalent. Et on peut même les aider. Si à un moment, quand il aura grandi, tu trouves qu'il n'est pas assez obéissant, tu peux utiliser des tuteurs comme ça, les fixer dans l'arbre. D'accord. Et puis ces branches qui sont très très souples, tu les conduis dessus. Très bien. Et puis quand elles sont rigides, tu enlèves le tuteur et tu passes à l'étage supérieur. Et donc du coup, on peut lui faire prendre la forme qu'on veut. Et tu peux lui donner la forme que tu veux, effectivement. Il faudra simplement décider de l'arrêter en hauteur. Ouais. Oui. Et parce qu'après, tu ne sauras plus gérer la taille. Tu ne sauras plus comment y aller. Dans la pente, les fosses sont creusées. C'est plutôt acrobatique. Pour commencer, ce sont les petits arbustes qui sont installés. Un Pittosporum tobiranana, une spirée au feuillage lumineux comme de l'or, des genêts pour leur aspect flou et naturel, des plantes très différentes choisies dans un but bien particulier. Prendre la décision d'enlever la bâche avec une pente à 60%, c'est un peu zinzin. Donc la solution pour laquelle nous allons opter, c'est de se servir des plantes, des racines des plantes, pour fixer cette butte. Dans un premier temps, on va utiliser des plantes comme cette fougère, Mathiusia structuropteris, qu'on appelle aussi fougère d'Allemagne, et qui donc a des petites racines comme ça, et ressort là, ressort là. Et ça fait qu'à terme, il y a une sorte de réseau de racines qui tient le sol. On a aussi l'ophiopogon qui fait la même chose. Parce que quand il n'est pas dans un pot, oui, tout ça, là, ça ressort et ça court partout. On a encore le sarcococca qui, lui aussi, il a une propension à s'en aller courir partout. Mais ça, ça tient la terre. Et c'est très important. Et puis l'autre stratégie, c'est de couvrir le sol. D'avoir des tiges superficielles qui s'enracinent et qui vont faire des nappes de plantes. Et ça, c'est l'ajuga et même le Lysimachia numillaria. Auréa dans ce cas ici. Voilà, donc avec tout ça, je pense que d'ici l'hiver, la butte sera plutôt fixée. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les arbustes qui sont là vont faire des racines, oui, et elles aussi mettre tout en réseau et fixer le talus.
Encore quelques arbustes, un cotonnet aster, une soyeuse Eremophila nivea, si douce, si grise, et un érable japonais au feuillage pourpre. Du bleu avec une agapanthe, des lavandes et une cascade de romarin. Stéphane glisse un tapis de feutre sous les marches de l'escalier qui ainsi sera mieux intégré à l'ensemble. Dans un pot percé sur le côté, les billes d'argile sont recouvertes de terre de bruyère, tout à fait adaptées à la plantation d'un pierris Forest Flame, au jeune feuillage multicolore. Et déjà, voici venir les lanternes. Laura, Axel, s'il vous plaît. Alors, c'est génial. Je ne m'attendais pas à autant de couleurs, de variétés différentes. C'est vraiment incroyable. Ça change la perspective d'ici, quoi. C'est vraiment un nouveau jardin. C'est super. Même l'olivier qui était là, il prend une autre dimension ici. Donc, c'est top. Quand je revois les plantes qui étaient là au début, elles étaient trois. Et aujourd'hui, elles sont 1000. Elles sont parmi la foule. Ça, ouais. Donc, c'est plus le même paysage depuis le salon. Hein. Ah non, ça change complètement de perspective. C'est assez incroyable. On voyait une bâche. Maintenant, on voit un vrai jardin, déjà. Et puis là, on se sent beaucoup plus à l'aise. On a vraiment envie de rester dans le jardin et de jardiner. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, ouais. Alors, bisous. Merci beaucoup, Stéphane. C'était super. Merci beaucoup. En quelques heures, la vilaine bâche de plastique, unique horizon offert au salon, a laissé place à un paysage coloré et fleuri. Le choix des plantes et la force de leurs racines participent au pari qui consiste à stabiliser une pente d'environ 60%, autrement dit extrême. L'espace planté d'arbustes est devenu plus enveloppant. Une terrasse en haut pour le matin, une autre en bas pour le soir. Au milieu d'une nouvelle nature, la vie ici va être belle. Going up the coast in a minivan that broke, like my voice when I told you I was leaving. Pack my bag up, take her home. Nous attendons le faire-part du bébé. Et maintenant, nous n'allons pas vous donner notre adresse pour le faire-part, sinon on va recevoir tous les faire-part de France, mais l'adresse pour s'inscrire pour le pas de panique, Stéphane. C'est simple, c'est France.tv. Et pour revoir l'émission, c'est simple. France.tv. Très bien, on passe au livre en toute simplicité, Stéphane. Je crois que tu as un livre que tu as adoré lire, que tu veux partager avec nous. Oui, c'est un livre de Marc Janson et Charlotte Fauve, botaniste, aux éditions Grasset. Il y avait les inventeurs de plantes, ces voyageurs qui parcouraient le monde entier pour découvrir de nouvelles plantes. Marc Janson est botaniste. Il est responsable de l'herbier du Muséum d'histoire naturelle. Il aime son métier, il en parle extrêmement bien. Il vit avec tous ces grands explorateurs dans sa tête, dans son imaginaire. C'est comme un roman, c'est de la poésie aussi. C'est formidable. Passionnant. Bon, une autre femme qui aime son métier, qui s'appelle Marianne Bruchy, nous propose ce guide, le guide du Paris alternatif. Vous allez peut-être partir en vacances, vous avez peut-être envie de découvrir cette capitale. Et bien voilà une façon intéressante de la découvrir. Les cantines locavores, les boutiques solitaires, les hôtels écolos, c'est aux éditions alternatives. Donc à l'intérieur, Stéphane, tu vas pouvoir te balader par quartier, découvrir les bons endroits, les bons restos qui justement se battent pour du bio, pour du local, mais aussi des boulangeries, des floristes. Tu sais, maintenant, c'est la mode aussi du café fleur. Ben là, tu en as, tu as de très bonnes adresses. D'accord. Et maintenant, l'agenda. Nous avons une date à retenir jusqu'au 3 novembre. Il faut aller à Chaumont-sur-Loire. Eh bien oui, c'est dans le Loir-et-Cher. Et c'est le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. 23 artistes paysagistes nous proposent des jardins, évidemment, inventifs, innovants, sur le thème paradis. Jusqu'au 20 octobre, dans le Doubs cette fois. C'est à la Saline Royale d'Arquessenan, Flower Power, côté jardin, une expérience déambulatoire au travers de différents jardins composés en célébration du 50e anniversaire du festival de Woodstock. Et la semaine prochaine, nous vous emmenons très très loin, découvrir l'art du bonsaï. Nous partons au Japon. Nous allons découvrir ces arbres miniatures, comment les sculpter. Ce sera le portrait de la semaine. Et après, nous allons aussi être en vacances, puisque l'on vous propose de faire le point sur une initiative intéressante pour le vivre en famille ou entre amis. C'est partir à la ferme et être en immersion avec les agriculteurs et pouvoir les aider. Et toi Stéphane, tu nous emmènes où? Pas bien loin de la mer, vois-tu, sur une plate-bande abandonnée depuis
quelques années, une plate-bande qui s'ennuie, qui rêve d'exotisme, qui rêve aussi de s'isoler un peu du voisinage, tout en couleurs. C'est chez Céline et Bruno, qui rêvent de changement. Alors, à la semaine prochaine.